on y voit un peu plus clair. Et bonjour, c'est Nico Le Ch'ti avec Gérald de Rive sur The Witcher et reprend exactement là où on s'était laissé la fois d'avant. C'est-à-dire dans une crypte où j'espère que c'est... Ah oui, j'avais tapé le décharneur. Où j'espère trouver cette quête. Je vais vous faire voir la quête. C'était dans une quête secondaire. Oh, c'était laquelle? Le secret de Berengar, identité, non? Ah, c'est dans une quête principale. L'armure. Voilà, ça. Alors j'espère que c'est cette crypte. Et derrière, il y a des Zalpyres qui nous attendent. Hop, on va dégainer. On va se mettre en mode groupe. Et on va y aller. Hop, bonjour mesdames. Étourdissement déjà. On va rester en mode groupe parce que il y a la deuxième derrière. Ok, les deux en même temps. C'est pas plus mal. Hop, on fouille les Zalpyres. Zalpyres. Et Zalpyres. Et donc, on a la carte de la crypte. Mais on va fouiller. Fouillons tout ça. Voir ce qui nous... non, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Alors. Hop là. Une algoule. Alors, en mode puissant, ça passe. Et là-bas, il y a une Zalpyre encore. Et une deuxième algoule qui pop. Alors j'espère que ça pop pas à l'infini. Ah, je veux dire, t'es pas encore mort. Hop, on fouille. On fouille. Ah, une algoule. Boum, one shot, deuxième derrière. Et one shot derrière quand même. Ah, il est mort, hein. Mais d'accord. Hop, on fouille, on fouille. Alors, nouvelle région, j'ai vu un gravier. Ouais, ok. Ça s'est bien passé, il y a des Zalpyres encore derrière. On va tout fouiller, Zalpyres. Alors elles sont rapides. On va se regrouper. C'est bon, on les a tous eu. Oh bah il y a même un cadavre derrière. Hop, on fouille, on fouille. Ah, il y a un peu d'action dans cet épisode. Un cadavre. Alors, il y a une bague, un anneau d'or et de diamant. Ça, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a encore des trucs à fouiller? Non, mais là, il y a le ghoul. Ah, ok. Donne-moi le mode puissant, s'il te plaît. Merci. Ok. Ouais. Ah, il y en a une deuxième. Ah, il y a une octule derrière. Oh bah on a un échantillon de tous les monstres qu'on connaît dans Witcher. Ah bah il est mort. On va rester en mode puissant. Ouais, trop rapide. Ok, il est mort. Plus de noctule. Ok. On fouille les noctules. Bon, c'est que des composants de monstres, mais on peut en avoir besoin pour nos élixirs. Cercle des terres arides. Okay. Hop. Ça c'est bon, c'est un cul-de-sac. Donc hop, que nous dit la map? Bon, on va continuer tout droit. Ah, j'espère vraiment que c'est cette crypte pour avancer dans la quête de l'armure. Parce que j'ai envie d'aller voir plus loin cette armure. En plus, ce qu'il dit. Armure légendaire. Par contre, il y a un truc qui rigole. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, des gnomes. Hop. On dirait des gnomes. Hein.
On l'a eu. Hop, on fouille. Sanctuaire. Ah, c'est des farfadets. D'accord. Harnais pour chat. Article de quête. D'accord, c'est des farfadets. Ok. Je savais pas qu'il y avait des farfadets dedans. Bon, hop, on prend tout, sauf la torche. Y'a rien à fouiller. Là, y'a rien à fouiller. Bon, bah... à plus les farfadets. On va se diriger vers les alpires, qui sont normalement là-bas. Ok. Hop, on se met en mode rapide. J'espère que l'harnais pour le chat, ce n'est pas justement l'armure légendaire. Ça m'embêterait bien. Ah, on aurait déjà tout fouillé là. Oh, bah c'est pas ça alors. Ah si, si, il en reste encore un petit chemin. Il reste une pièce là-bas. On va aller la voir. Je ne perds pas espoir. Donc là, on a la sortie à notre droite. Encore une alpire. Meurt de décès, l'alpire. Hop, donne-moi ça. Et... nouvelle région, oh là. Une goule. Il y en a une deuxième derrière. Une algoule, deux algoules. On va passer en mode groupe. Ah, il y en a encore une derrière. Il n'y a rien ici. Mais on prend les restes, ça nous intéresse. Hop. Un décharneur. Alors, je pensais que ça l'aurait OS. Mais t'es pas étourdi, je l'ai juste renversé. Ok. Hop, encore une algoule. Est-ce qu'il y a d'autres... comment on dit, prétendant à me battre. Ah voilà, on peut aller par là. Continue, je vais juste sauvegarder au cas où. Sauvegardons, sauvegardons. Deux graveurs. Avec un monstre qui est derrière moi. Ah, deux noctules. On est bon. Hop, là-bas, il n'y a rien. On fouille, on fouille, on fouille. Je dis on fouille. Bah alors. Bon, c'est pas grave pour celui-là. Ah, une algoule encore. Une deuxième algoule derrière. Ah, trop rapide. Ok, ah là il y a Ureus. Alors je sais pas ce que c'est.
Alors, on va aller voir sur Bah alors tu peux fouiller pas? Si? Ok. Hop. Bon. Ok. Uereus. Alors, on va dire que c'est un boss. Bon, c'est un gros décharneur. Alors, je pense que c'est un boss nommé d'un décharneur. Ah, trop rapide à chaque fois. Je compte toujours sur le dernier. Ok. On a eu le Ureus. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dropper? Alors, cadavérine, mâchoire de décharneur et tête de décharneur. Bon, on prend tout. Ah, je peux rien porter en plus? Ah, je peux pas prendre ça. Ah, c'est un butin en fait. Ah, c'est un trophée. Bon. On va le mettre là. Ah cool. Ok, bah c'est une quête, tant mieux. Et ici on a poussière de diamant. On va tout prendre. Un gars qui est mort. On va continuer. Ah bah non, c'est fini. C'est fini? Bah c'est fini. Bah, c'est pas la crypte que nous recherchions. C'est dommage, hop, encore la fouille à faire. Bon. Ah, je clique sur ma souris sans faire attention. On va ressortir de là. Ah, si je me trompe, c'est la sortie de la crypte. Hop, on est sorti de la crypte. On se retrouve dans les champs. Et par contre, c'est quelle quête qui a... C'est laquelle quelle quête qui est activée en fait? Pourtant j'ai fouillé la crypte. C'est quelle quête que je suis là en fait? L'ancien décharneur. Suivre la quête au chef du village. Ah c'est quoi? Cercle des éléments. Moulin des Dabres. C'est pas cette crypte là, je suis déçu. Faut que j'aille me renseigner sur les internets pour trouver cette quête. Parce que je vais vous dire franchement, je suis perdu. Alors j'ai un feu de camp ici, j'espère que je... Non, j'ai toujours pas de silex, hein, il est pas allumé, on est bien d'accord. Hein. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Je dois d'abord le rallumer. On va se retrouver... Quand il fera nuit ici, moi je vais faire des allers-retours et vider l'inventaire et chercher du... pourquoi un spectre de midi? Le soleil fait tourner la terre. Le grain tombe de la tige. Viens me rejoindre, rôdeur. Viens rejoindre le spectre de midi. Ah, ok. On se met en mode rapide. On s'en débarrasse. Alors ça c'était gratuit. Par contre c'était gratuit. Ah, je peux même pas la fouiller. D'accord. Bon. C'est pas plus mal. Donc je disais, on va se retrouver... si tu veux bien descendre Gérald, ça serait sympa. On va se retrouver au village et puis on va aller refaire la... Le... Acide d'énergie. Ça m'a fait peur. Le site d'énergie, tout ça, le site d'énergie. Le miroir, j'ai toujours pas de silex. Le chef, on va déposer toutes les quêtes. Et bah, je vous reprends quand on sera là-bas, tout de suite. Heureux, on arrive à la porte du chef du village, enfin la maison du chef du village. On va lui remettre sa quête. Je pense qu'il est en train de dormir vu l'heure. Mais du coup. Il est où ce con? Bah il est pas là. Il doit être dehors, je pense. Vu que nous sommes au crépuscule. Et puis on reviendra demain. Donc, hop. Ah, l'artisan. Hop, bah il est derrière. En espérant que...
Motre de la du forgeron. On va continuer. Bah, on va faire le miroir, hein, tout compte fait. Et femme du forgeron. Forge LOL. Oui ? Sauriez-vous réparer un miroir ? Ça coûterait 100 or, hein. Entendu. Voici les morceaux. Je vous paierai à la livraison. Je suis éreinté. D'accord. Je dois laisser un peu de temps, forgeron. Ok. On va piquer le fromage. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire à la femme du forgeron ? Maître sorceleur. Adieu. Ah, ça t'intéresse. J'allais lui proposer un petit quart d'heure sympathique, mais apparemment elle est pas chaude. Donc il faudra revenir un peu plus tard. Par contre, moi j'aimerais bien savoir la maison d'Adam. Vache de concours. Le chef du village, on est bien d'accord, il est pas dedans. Hein. Cabane du chef du village. Il est même pas chez lui, le bougre. Bon, c'est pas grave. On va aller à la taverne, passer une nuit. La taverne. D'où qu'elle est la taverne. Bon, maison du forgeron. Route de la taverne. Hop. Allez, deuxième chance à la maison du chef du village. Bah il est là. Il doit être parti aux prostituées, je pense. Débusqueur de monstres ? Oui. Alors... Ah. Vous auriez du travail pour un sorceleur ? Une espèce de poisson avec des jambes. On dit que la crypte des champs abrite un monstre. On dirait... Il y a des récoltes. Apportez-moi. Alors, le décharneur de la crypte. Le décharneur de la crypte. J'en ai vu assez. Voici vos 800 orins. Comment ça se passe entre les Vodianoï et vous ? Tout va bien ? Je l'espère. Mais on n'est jamais sûr de rien avec ces hommes poissons. Ah, pourtant, j'ai réglé la... Adieu. J'ai réglé le problème. Donc la quête a été rendue. On a reçu 800 orins. On va aller parler au forgeron. On a, depuis le temps, j'ai laissé passer une journée ou deux. On va voir ce qu'il nous dit. Au pire, je couperai là. Je reprendrai juste après. Le temps de me renseigner sur 2-3 quêtes. Oui. Je suis ici pour le miroir. Il est comme neuf. Ça fait 100 cool. orins. Bah merci. Voilà. Alors. Je devrais peut-être déménager. Donc on va trouver... bah on va continuer tout compte fait. On va trouver le spectre de midi. Oui. Par contre il a des trucs à vendre. Ah non, c'est pour la vente. Ok. Ça c'est bon. Donc bah on va aller trouver le spectre de midi, hein, tout compte fait. Hop, sur la quête sur la carte. On va se déplacer tout de suite vers les champs. Tais-toi la vieille. Tais-toi la vieille du jeune. On va aller se déplacer vers les champs, retrouver le spectre de midi. Et je vous reprends. Je sais, ça fait beaucoup de coupures. Je regarde en plus dans mon inventaire, j'ai pas de silex pour le feu là-bas. En plus, il fait jour. Oh, est-ce que je mets la nuit ? Bon, c'est pas grave. On va y aller, je pense qu'on finira avec, avec cette histoire de miroir. Je vous reprends tout de suite. Alors, nous voici dans les champs, avec les dévoreurs qui sont bien moches. J'en ai profité en fait de passer par la taverne pour mettre au crépuscule. Donc vous voyez, on a des nouveaux mobs en plus, les dévoreurs, qui sont bien moches. Fait deux fois que je le dis, ils sont bien moches, parce qu'ils sont moches. Donc on va aller voir cette spectre de midi. Ah ouais, merde, on n'est plus la journée. Ah bon, c'est pas grave. On va voir tout ça quand même. Alors, ah, spectre de midi, elle est là quand même. On va voir ce qu'elle nous dit. Suivez le spectre de midi. Accompagnez-moi. Ah bah c'est la même que tout à l'heure. Alina, regardez dans le miroir. Ah, cool. Alina ? Regardez attentivement. C'est... Si romantique. Je m'appelle Alina.
Je dois faire vite, mon mariage approche. Alina, vous êtes morte? Que dites-vous? À part ce froid passager, je me porte à merveille. Étrange, il fait aussi chaud qu'en enfer. Je dois cueillir des framboises pour mon bien-aimé. Pourquoi l'âme d'Alina refusait de partir? Maintenant, je sens qu'elle est contente de penser à son mariage. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantôme. Il faut peut-être plus qu'un miroir donné à Léna pour rompre la malédiction. Tu connais l'histoire de la spectre de Midi qui voulait pas épouser un nilfe gardien? J'ai oublié comment ça finit. C'est vrai qu'il me reste toujours la sagesse populaire. Je vais demander aux gens, et vite, parce que j'ai promis à Juliane de libérer sa fiancée. Geralt, est-ce que tu es amoureux? Moi, je ne sais pas. C'est triste. Tu devrais tomber amoureux. Bon, c'est un fail de la part de ce miroir. On va trouver un autre moyen. Mais, faut approfondir l'enquête. On va aller voir la chasse sauvage. Qui est plus loin, là-bas, vers le sud. Hop. Bon, apparemment, elle disait de cueillir des framboises. Moi, j'ai des framboises dans le coin. Je vais voir ce que ça dit après, plus tard. Mais on va aller voir... ces sites d'énergie. Alors ça, on les évite, qu'on a dit. Les disciples de Dagon étaient jus. Même si on va donner sur le forum auquel je poste mes vidéos d'utiliser du Blizzard. J'en ai fait au cas où si vraiment ils me lâchent pas la grappe, mais j'arrive bien à les éviter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chasser la chasse. Et sinon... c'est pas grave, on arrêtera là. Bah, il n'y a rien. Ah, il y a une wyvern qui a pop. Alors, je sais toujours pas ce qu'il faut faire. Bon. Bah, c'est pas grave. Cercle du feu conquérant, une wyvern. Bon, je vais aller me renseigner sur les internets. On va se laisser là. Je sais pas du tout combien de temps fait cet épisode. Vu que j'ai coupé pas mal de choses et que... j'ai eu des longues transitions entre deux coupures. Sur ce, j'espère que ça vous a quand même plu. Des bisous et à bientôt.